Voilà, donc il est 12h27, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend les 3 minutes, vous pensez, où la salle va se remplir ou on va pouvoir y aller dans la joie et la bonne humeur en fait? On va attendre les 3 minutes? Alors on va patienter comment les 3 minutes? Alors les 3 minutes, on va peut-être pouvoir les faire patienter. Alors la saga alien, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui sait imiter un alien? Est-ce que quelqu'un sait imiter un alien? Lui, 100%. Jeune homme. Ah, un peu, oui, fonce là, ça, sont arrêtés. Alors, non, on va faire un truc un peu plus sympa. Votre alien préféré dans toute la saga? Le film préféré dans toute la saga? Le premier, généralement c'est ce qu'on dit quand on sait pas, ou on dit le dernier aussi, comme ça on est sûr de... Alors, donc j'ai entendu le premier revient souvent. Moi personnellement c'est Alien 3 dans son assembly cut. Exactement. Quand elle appuie pour le faire partir, on voit qu'elle est en dépression parce que dans un sens. Ça, c'est dans le 4. Ah, c'est le 4. Ouais, du coup, t'as fusionné tout un film. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que tu seras presque comme les scénaristes, on verra au bout d'un moment d'Alien, où ils ont tout mixé en fait pour pouvoir faire un film. On va tuer un. En fait, donc je pense qu'on va. C'est 29. On va y aller dans la joie et la bonne humeur. Ok. Alors, en fait, le but pour moi, c'est à travers le terme pompeux de conférence, parce que généralement, déjà, quand je prononce le mot conférence, déjà, à con, il y a les yeux qui commencent à se fermer, à fait, la tête tombe, et à rance, les gens sont en train de ronfler. Donc, c'est pas vraiment une conférence, en fait, en soi, ça va plus être un moment d'échange, en fait, entre nous, c'est sûr, on va apprendre ou rapprendre certaines choses à travers, donc, cette conférence, donc, alien, dans l'espace. Personne ne vous entendra crier. Alors, personne ne vous entendra crier, tout simplement, c'est la catchphrase, la phrase d'accroche, en fait, du premier Alien, déjà, qui avait quelque chose de bien particulier. Hop. Et donc, voilà. Alors, on aura la genèse du film. Ouais, c'est bon, ça marche bien. Alien sous la démesure de James Cameron. Donc là, on parlera du deuxième opus. Des suites mal aimées. C'est comme ça que j'ai décidé d'appeler cette partie avec Alien 3. On va comprendre pourquoi ça a été une suite mal aimée. Et Alien la Résurrection, que j'appelle Alien 4 au bout d'un moment, parce que sinon ça devient un peu trop long à dire. Et un nouveau départ avec tout ce qui a pu se faire en fait derrière. Donc les AVP, AVPR, Prometheus, Covenant et les suites qu'il y aura. Quand tu parlais du premier, en fait, tu parlais de l'autre, là, quand elle doit rejeter son enfant, je ne parlais pas de Alien. Résurrection ? Oui, de Résurrection. Et je suis pas là pour juger, je te rassure. On va tous s'en sortir, tous ensemble, on va y arriver. Alors, donc déjà, on va parler de la genèse du film. Alors, je vais pas rester tout le temps assis, en fait, parce que sinon, ça va devenir compliqué pour moi. Alors, la genèse du film, en fait, moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que, en fait, Alien, il y a quand même quelque chose de particulier. Alien, c'est sorti en 1977. Donc, au final, ça nous rajeunit pas. Moi-même, même si je fais très vieux, j'étais pas né. Et du coup, vous étiez sûrement pas né, hein, vu ce que je vois, même toi. Et du coup, en fait, il faut remonter quelques années avant pour savoir comment on en est arrivé à créer Alien. Comment on est arrivé à créer Alien? En fait, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé en 1975 aux États-Unis. Il y a eu un phénomène qui a tout fait exploser. Dans les années 70-74, Hollywood, c'était une machine à faire des thrillers, des films policiers, avec du Dirty Harry, l'inspecteur Harry, avec Clint Eastwood, on avait du Bullitt, avec Steve McQueen, ce sont des chefs-d'œuvre, enfin personnellement pour moi, il y a une réalisation qui est absolument magnifique, mais on commençait à arriver à un essoufflement en fait, c'est ce qui est arrivé après l'âge d'or avec les Cléopâtres, etc., on a bouffé du flic pendant 20 ans, même du coup John Wayne qui faisait que des westerns avait fait aussi des films policiers, donc on commençait un peu à en avoir ras-le-bol. Et en 1975, il y a un petit film qui parle d'un requin dans une plage qui bouffe tout le monde, par un petit réalisateur qui n'est pas trop connu, Steven Spielberg en fait. En 1975, en fait, Jaws, les dents de la mer, ont créé un genre bien particulier avec Universal,
le producteur, la maison de production, c'est le blockbuster. Le blockbuster, maintenant, pour vous, c'est tout à fait naturel. Pour vous, pour moi, tous les étés, on y va, on a eu les Avengers, on en a tout le temps, en finale, des blockbusters. Un blockbuster, qu'est-ce que c'est ? C'est quand une maison de production, en fait, décide de balancer tout ce qu'elle a en termes de communication, d'argent, d'effets spéciaux, etc., 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 pour faire vivre quelque chose et le transformer en phénomène de société. Universal ne croyait tellement pas aux Dents de la Mer, mais il avait injecté tellement d'argent, notamment dans le fameux requin, avec la fameuse phrase « The shark is not working ». C'était tout le temps ça. C'est pour ça que vous ne voyez pas le requin dans les Dents de la Mer, parce qu'il ne fonctionnait jamais, en fait. Parce qu'il l'avait créé pour de l'eau douce et non pas pour de l'eau de mer. C'est un peu bête. Et du coup, en fait, ils se sont dit « On va mettre des rallonges budgétaires au moins dans la communication et ça arrivera à sauver le film ». Ah bah oui, ça l'a vraiment sauvé le film. Il a fait 20 fois son budget de production. Et ça a été la naissance du blockbuster. Alors du coup, 75, ça y est, le blockbuster est arrivé. Hein. Et puis du coup, on a aussi un autre petit film. Comment ça s'appelle celui-là déjà ? C'est un paysan, en fait, qu'on recueille sur une planète déserte. Et puis du coup, il prend une épée qui brille dans tous les sens et il se bat contre un gars qui a de l'asthme. Ben ouais, effectivement, c'est Star Wars. Star Wars, deuxième blockbuster. Et alors là, la Fox, elle se dit, ça y est, on est refait. Ça marche super bien, on a le film record au niveau des entrées, il y a juste autant On emporte le vent devant nous, d'ailleurs actuellement sans l'inflation, On emporte le vent est toujours le leader du box-office mondial, il faut que vous le sachiez aussi. Ce n'est pas Avatar et ni Avengers, ça c'est pour la petite anecdote, vous voyez on apprend plein d'autres choses qu'Alien. Et du coup la Fox se dit un an après, c'est super cool Star Wars, mais il y a George Lucas là qui est en train de nous fatiguer à dire dans 4 ans, 5 ans je vais faire une suite, et en plus on va renégocier mon contrat, et là je peux vous assurer que ça va vraiment vous coûter cher à la Fox. C'est là où l'Empire Lucas est né d'ailleurs, et la Fox a dit il nous faut une deuxième franchise, il nous faut une franchise de science-fiction, on va essayer de la faire un peu plus horrifique. Et c'est là où on arrive aux hommes derrière le mythe. C'est-à-dire qu'en fait, la Fox, elle va dire « Nous, on veut quelque chose, on veut un nouveau film d'horreur, mais on ne veut pas mettre beaucoup d'argent, mais il faut que ce soit un blockbuster, il faut que ça fasse un peu peur, il faut que ça attire les jeunes ados, ceux qui étaient dans les cinémas de quartier, les adultes. » Et il va y avoir un gars qui s'appelle Dan O'Bannon. C'est celui que vous voyez au centre, qui est le scénariste d'Alien, co-scénariste d'Alien. Mais l'autre n'a pas fait grand-chose, donc généralement on crédite que Bannon. Donc il est décédé. Bannon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le meilleur ami de John Carpenter. John Carpenter, Los Angeles 2013, New York 1997, The Thing, Invasion Los Angeles. Toujours pas. Tu peux sortir, s'il te plaît. Et du coup, en fait, ils avaient fait un film ensemble, donc le premier film de John Carpenter avec Dan O'Bannon et Dark Star. Et ils se sont dit, moi j'ai un petit scénario que j'aimerais proposer. C'est une créature en fait parasite qui décime en fait un équipage d'un vaisseau spatial. Là, Carpenter lui dit, écoute, moi je veux bien le faire passer au gars de la Fox, mais je pense pas que ça va marcher. Écoute, envoie-le et puis on verra bien. Les gars de la Fox lisent le truc et disent non, nous on a un projet qui est bien plus costaud, bien plus cohérent. On a un monsieur qui s'appelle Jodorowsky et qui est en train de faire un film qui va s'appeler Dune. Et on a vraiment foi en celui-là. On a un gars qui s'appelle Giger, qui est en train de nous faire des super décors qui sont tortureux et qui vont très bien avec tout ça. On a un réalisateur, donc Jodorowsky, qui est un peu un illuminé, mais au final, on a Dali, on a Orson Welles sur le film, enfin, ça va être vraiment, vraiment une grosse tuerie. Donc, ce scénario, on n'en veut pas. Bon, au bout d'un moment, les gars de la Fox se sont aperçus que Jodorowsky, en fait, faisait des promesses à droite à gauche. Le film allait coûter quasiment 100 millions de dollars, et à l'époque, donc, il allait couler totalement en studio. Et ils disent à Jodorowsky, écoute, tu dégages. Donc, toute cette belle petite équipe, en fait, qui allait travailler sur le film, O'Bannon et Giger, eh ben ils disent la Fox, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre votre scénario, Alien, on va vous laisser 4 millions de dollars, ce qui est absolument déjà ridicule aussi à l'époque, même si ça peut paraître quand même une très grosse somme, c'était absolument ridicule, et on va lancer Alien. Voilà, c'est comme ça qu'Alien est né. Donc O'Bannon dit ok, on va garder mon scénario, Giger va être à la conception de la créature, Mobius, Jean Giraud, donc dessinateur français, lui va faire par contre toute la partie, on va dire, technique avec les vaisseaux spatiaux, et il nous reste plus qu'à trouver un réalisateur.
Et au départ, il pense en réalisateur, eh ben, il pensait à des grands noms comme Robert Altman, qui avait été oscarisé avec le film sur la guerre du Vietnam, MASH, qui a été aussi une série télé qui passait il y a quelques années de ça, enfin, il y a de nombreuses années de ça. Puis Robert Altman, il dit « Non, mais moi, ça, c'est des projets ridicules, je ne suis pas ce genre de réalisateur. » Et il y a un jeune réalisateur qui, lui, est en train de faire ses preuves en Angleterre, notamment avec un premier film, Les Gladiateurs, comme quoi, Ridley Scott, Les Gladiateurs, ça le connaît depuis des années. Ils disent bah, « Écoute, toi, on va te proposer ça, est-ce que tu acceptes ?» Bah, lui, il dit « Ouais, tout à fait, bien sûr, moi, ça me botte, je vais enfin pouvoir intégrer le milieu hollywoodien, c'est ce que j'ai toujours voulu, en plus, avec quelque chose qui me parle, c'est quelque chose d'assez torturé, assez horrifique, donc pourquoi pas ?» Et puis, ils ont fini, de toute façon, Ridley Scott, de lui faire accepter en fait Alien en disant bah, « Écoute, regarde les dessins de Giger, c'est juste magnifique. » Ridley Scott a dit « Ok, on va aller sur ça. » Du coup, maintenant qu'on a un peu la genèse de tout ça, bah, comme vous avez pu en entendre, et j'ai entendu aussi ici, hein, on parle de Giger. Giger, c'est quelqu'un qui est méga connu au final, parce que Giger, c'est un artiste suisse qui est un peu particulier. Et moi, par exemple, vous voyez, j'ai un de ses tatouages. Ouais, ça, c'est le tatouage en fait, de l'Alien dans l'Alien 3 qui n'aura jamais été utilisé, en fait, qui a des lèvres, les lèvres de Michel Pfeiffer. On en parlera par la suite. Et du coup, c'est un artiste très torturé et il dit, moi par contre, je veux la pleine conception aussi bien de certains décors que de la créature, parce qu'à la base, la créature, c'est celle que vous voyez là. Vous voyez ? Une sorte de crabe mouche, etc., qui ressemble à rien. Et bien ça, en fait, voilà, c'est ce à quoi devait ressembler en fait le xénomorphe. Et Giger dit non, moi j'ai sorti une série d'œuvres qui s'appelle Necronomicon 4. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici et ici, qui vont donner donc le design final du xénomorphe. Mais malgré tout, les producteurs commençaient déjà à prendre peur parce que, bah, comme vous pouvez le voir, le xénomorphe a une forme très phallique, c'est-à-dire en forme de sexe. Et il faut savoir aussi que toutes les étapes du xénomorphe sont une métaphore du viol, en fait. C'est-à-dire le facehugger, vous savez, des sortes de crabes, en quelque sorte, qui se fixent sur votre visage. Bien, si vous regardez bien, en fait, il a été fait par rapport à un vagin qui a une tige qui va sortir et qui va pénétrer votre bouche, première étape du viol. Deuxième étape du viol avec le chest burster, l'exploseur de torse, qui lui est la métaphore justement de l'enfant en fait non désiré. Et quand il va grandir, cet enfant non désiré de la nature du viol va devenir violent, etc., etc., et va devenir en fait le xénomorphe. Et du coup, là, quand même, les producteurs disent « Ouais, ça, le projet commence à nous échapper un petit peu. Mais on va quand même laisser y aller, de toute façon, au cas où, on le rangera dans un tiroir et ça fonctionnera pas plus que ça. » Derrière, pour interpréter cette créature, donc vous pouvez voir déjà les étapes de la conception en fait, du xénomorphe. Vous pouvez voir notamment qu'un véritable crâne humain a été utilisé en fait, sous le dôme, même si on le voit pas forcément, on le voit plus dans les éditions HD en fait, maintenant et 4K, où un véritable crâne humain en fait, a été utilisé parce que le xénomorphe en fait, utilise les caractéristiques de son hôte pour pouvoir se développer. Donc comme la Kane, la personne qui s'est fait infecter, était un humain, bah forcément il reprend sa base. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, par exemple, c'est qu'il y a des petites anecdotes rigolotes sur la conception du costume en fait, du xénomorphe. C'est que sur les tendons, en fait, c'est des préservatifs. Voilà. Il fallait faire quelque chose qui s'étende, sur lequel de la gelée en fait, du slime pouvait tenir plus facilement. Et du coup, il a utilisé des préservatifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, Giger, à travers son aspect physique de folie, etc., et dans ses réalisations, c'est un homme qui est parfaitement sensé et qui veut faire fonctionner tout ceci, en fait. Il veut que la créature fonctionne. Et pour cela, en plus, eh ben, on engage Bolaji Badejo, qui est, en fait, l'interprète uniquement sur Alien du xénomorphe. Alors, très grand, il faisait partie de la tribu des Maasai. On l'a repéré sur un pub à Londres. Il était en train de boire une bière, et Ridley Scott le voit et lui dit « Écoute, toi, tu seras l'Alien. Tu seras le xénomorphe. » Il fait « Ok, pas de problème. » 2m18, ça aide, surtout sur un film comme ça, surtout que l'alien a quelques petites échasses qui lui permettent de surélever les pieds, donc du coup on va être très très bien. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pauvre Bolaji, c'est qu'il va pas avoir une belle carrière, contrairement à Kevin Peter Hall qui lui interprétait le Predator. Généralement on croit que d'ailleurs c'est lui qui incarne tout, ben non, c'était pas lui.
C'est qu'en fait, dans le générique de fin, Bolaji, lui, il est crédité avec les cascadeurs et les dresseurs d'animaux sur le film. Voilà. Il n'est même pas dans les acteurs. Il est crédité tout à la fin. Ça va le marquer à vie. Il va disparaître totalement du milieu, en fait, du cinéma. Ça va le marquer. Et jusqu'à très récemment, il y a une équipe, en fait, qui a cherché à le retrouver. Donc, il est mort il y a 5 ans de ça d'une maladie du sang. Et son fils a témoigné en disant qu'il n'avait ni le droit de parler, lire ou regarder quelque chose qui concernait Alien tant il a été marqué par ce manque de reconnaissance. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une pétition au moment de la sortie des éditions spéciales pour remettre Bolaji en tête dans les acteurs, et Ridley Scott l'a toujours refusé. Voilà. Donc ça, c'est un peu dramatique. On en est arrivé à toutes ces personnes, donc au final, qui se sont chargées de la conception. On a vu un acteur déjà, mais Alien, c'est qui au final? C'est un xénomorphe, mais il y a bien plus qu'un xénomorphe dans Alien. Il y a qui? Il y a quoi? Quelle personne? Quand on vous parle d'Alien, moi, si je vous dis Alien, ne me parlez pas du xénomorphe, vous pensez à qui? Ripley. Et effectivement. Hélène Ripley, mais tu vois, on en vient, c'est grâce à toi qu'on en vient là. mais on va y venir, tu verras. Et donc, du coup, c'est effectivement une figure légendaire, c'est Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, au final, est autant importante que le xénomorphe, c'est le tandem, au final. On voit d'ailleurs que quand elle n'est pas dans certains films, les films sont des ramassis de poubelles, mais c'est que mon avis personnel. Et au final, elle porte vraiment la saga parce qu'elle est l'alter ego de l'alien. Et surtout, s'il vous plaît, avant d'entendre tous les jours là, que Captain Marvel et Wonder Woman sont les premières figures féministes au cinéma américain, on avait Sigourney Weaver qui désingue des aliens, des créatures qu'aucun équipage des Marines n'arrive pas à battre, et elle se les fait à elle toute seule quand même. Et à la fin, elle devient même la mère des aliens, la mère spirituelle des aliens dans la résurrection. Sigourney Weaver, c'est la magnifique aventure en fait d'Alien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'alors, elle... Normalement, elle devait même pas être castée, ça devait être mis au placard, etc. Et Ridley Scott, en fait, l'embauchait uniquement parce qu'elle faisait 1m82 et que du coup, elle avait un caractère fort. C'est-à-dire que pendant... Vous savez, il y a une scène dans le premier, on la voit en culotte. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quand elle se réveille de l'hypersommeil, en fait, elle est en culotte. Et Ridley Scott, en fait, pendant le casting, dit « Écoute, il faut que tu te mettes nue, en fait, tu seras juste et tu n'auras pas de culotte, rien du tout. » Et elle, en fait, ce qu'elle a fait, elle a regardé, elle a fait « Je vous remercie » et elle a claqué la porte. « Je refuse de jouer nue. » Et du coup, il l'a rappelé en disant « Toi, tu es une femme forte, tu as un caractère qui tiendra tête à un xénomorphe qui, dans le scénario de base, Ripley, devait être un homme. » Et du coup, ils ont changé le scénario pour elle. Donc du coup, vous voyez que Sigourney Weaver et le lieutenant Hélène Ripley sont deux femmes fortes bien avant l'heure. C'était des figures féministes dans le vrai sens, dans le bon sens qu'on entend tous dans le milieu du cinéma. En 1979, elle touche un cachet dérisoire. Pour Aliens, elle a compris son rôle, elle touche un cachet d'$1 million. Elle touche $4 millions pour le 3. Et elle touche $11 millions pour le 4, la résurrection, et elle devient productrice exécutive de la saga Alien, et touchera des royalties sur la totalité des aliens qui sont sortis avant, ça a fait partie de son contrat dans le 4. Est-ce que vous voyez quelle businesswoman, au-delà d'une actrice incroyable, est Sigourney Weaver? Et ceci, ça lui a permis de pouvoir gérer sa carrière comme elle entendait, d'accepter des rôles comme elle entendait, puisque de toute façon, elle est millionnaire, je m'emballe un peu, rien qu'avec Alien. Donc là, en fait, on arrive en fait aussi après aux différents problèmes qu'il y a sur la production. Je vous en ai parlé. Donc, les producteurs viennent tous les jours sur le set. Ils disent que le budget est en train d'exploser, que la date de sortie va devoir être repoussée, qu'il faut absolument terminer le film. Tant bien même que Ridley Scott en vient à faire perdre encore plus de temps à la production, puisque énervé suite au dernier passage des producteurs, il va casser le décor, en fait. Il va se mettre à casser le décor, en fait, et du coup, ils ont été obligés de tout reconstruire, il a fallu 2 semaines supplémentaires. Mais attention, Ridley Scott, c'est pas un enfant de cœur aussi. Vous savez comment il motivait, en fait, ces acteurs sur le tournage? Il leur passait, pendant leur temps de pause, en boucle, la musique de Massacre à la tronçonneuse. Voilà, on est dans un huis clos bien sympa.
Et c'est surtout que la fameuse scène de l'explosion aussi, vous savez, du chestburster, du torse, de l'explosion du torse, il n'était pas au courant. Personne n'était au courant, donc les réactions que vous voyez, c'est leur vraie réaction à tous, c'est-à-dire les hurlements, les reculs, etc. Personne n'était au courant, sauf bien évidemment l'acteur principal, John Hurt. Et dernière anecdote sur ce process de production très difficile, ben, c'est qu'en fait, John Hurt, donc, qui est celui qui se fait infecter par le premier par l'alien, en fait, est tombé malade parce que, vous savez, l'ovomorphe, l'œuf qui contient en fait le facehugger, pour faire plus réaliste, contenait en fait des abats, des mollusques, des huîtres, des moules, etc. Et en fait, il en est tombé malade et ça, pendant une semaine. Et donc ça a encore reculé le tournage pendant des années. Mais comme ça faisait plus vrai, après tout, on n'est plus à ça près. Malgré tout, après tous ces problèmes de production, parce qu'il y en a quand même malheureusement beaucoup, beaucoup d'autres, d'ailleurs Ridley Scott interdisait à ses acteurs de partir en vacances ou pause, etc. En fait, ils ont tourné en non-stop dans les studios de Pinewood à Londres. Donc je peux vous assurer que ça commence vraiment à peser. Et bien avec un budget d'11 millions de dollars au final, qui est monté de 4 à 11 millions de dollars, il a rapporté 102 millions et quelqu'un, donc 103 millions de dollars au box-office mondial. Outre ça, alors là, je suis désolé pour les dates, je suis obligé de regarder mes notes, il a remporté en 1980 donc un Oscar pour ses effets spéciaux. Le film va rapporter 3 Saturn Awards. Les Saturn Awards, en fait, c'est les récompenses pour les films de science-fiction. Et fantastique. Donc, meilleur réalisateur pour Ridley Scott, meilleure actrice dans un second rôle, Veronica Cartwright, c'est la blonde, vous savez, la deuxième femme qui est très hystérique dans le film. Alors, sachez que ses réactions, elle aussi, étaient véridiques, elle ne supportait plus du tout le tournage, en fait, et quand elle hurlait, elle était vraiment hystérique. Et le meilleur film de science-fiction. C'est parfait, la Fox dit c'est bon, la saga Alien, il nous faut tout de suite un numéro 2, vous le sortez en 1981. Attends, Alien, il est sorti en 1986, donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Eh bien, c'est tout simplement qu'en 1981, en fait, il va y avoir un long process, en fait, de développement d'un autre scénario où Ridley Scott devait de nouveau être attaché, mais Ridley Scott, ben, ça y est, sa carrière explose grâce à Aliens, donc du coup, il peut faire encore d'autres choses qu'il veut, il ne veut pas rester cantonné à Aliens. Et il dit, ouais, moi, le 2, j'aimerais bien que ce soit... D'ailleurs, ça me parle, ce que je vais dire. Ce soit les origines des aliens. On apprend comment, en fait, ils ont été créés, etc. Et il faudrait aller sur leur planète natale. Et on apprendrait qui est le Space Jockey, le gars que vous voyez dans le premier, sous forme fossile. Mais ça va coûter super cher. Et alors là, la Fox, elle dit, non, ça va coûter super cher. Écoutez, on va laisser tomber. Et il y a un autre gars qui va arriver, qui est plutôt connu. Lui aussi, il a réalisé un truc avec un robot qui a un accent autrichien. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ah oui, James Cameron, bien évidemment, ben oui, c'est James Cameron, effectivement, qui est auréolé, alors lui, du succès de Terminator. C'est-à-dire, Terminator, c'est un succès mondial à Voriaz, en France, etc. Tout le monde dit, I'll be back et tout. Hein. Moi, j'étais pas né, mais je sais que quand je suis né, mes parents m'ont acheté un petit blouson en cuir et des lunettes de soleil. Enfin, c'était incroyable, c'est vraiment la folie Terminator. Et du coup, lui, en fait, bah, du coup, la Fox dit bah, c'est parfait. Ce gars, en fait, il a tout ce qu'il nous faut. Et puis, c'est surtout qu'il a une idée vachement originale. C'est que James Cameron, il arrive, il fait ça, c'est mon scénario. Il fait moi, je suis tellement fan de Ridley Scott que jamais je ne ferai une suite à Alien, comme vous l'entendez. Moi, je veux faire un film de guerre. Alien, pour moi, c'est un film de guerre. C'est-à-dire que je veux mettre. Des Marines, je veux que ça devienne un gros film d'action, je veux que les xénomorphes ce soit une force intrusive. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la Fox dit, ben, bingo, le scénario nous plaît, de toute façon t'as fait tes preuves avec Terminator, donc pourquoi pas. Du coup, James Cameron arrive sur place, il impose tous ses changements. Voilà. Tac, voilà, James Cameron, donc il est né en 1954, hein, et qui ne décédera, alors oui, j'ai mis des X, parce qu'en fait, James Cameron ne décédera que quand il aura fini Avatar 99. Voilà, c'est-à-dire que comme il ne fait que des Avatars, maintenant, les studios lui interdisent de mourir avant qu'il ait fait tous ses Avatars. et donc, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, James Cameron, ben, il est encore pire que Ridley Scott sur un tournage. C'est-à-dire que James Cameron, il a pour capacité en fait, de demander le meilleur et le maximum de ses acteurs. Et comme il veut faire un film de guerre, bah, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait pour ses acteurs, James Cameron? C'est presque ça, ça on va y revenir. Il les envoie en fait en camp d'entraînement chez les Marines. Tous, comme Linda Hamilton d'ailleurs sur Terminator 2, plus tard.
Il l'a envoyé quand même en camp d'entraînement israélien pour s'entraîner avec le Mossad, pour qu'elle soit en forme pour le film et qu'elle puisse tenir tête au Terminator. C'est quand même assez balèze comme gars. De faire accepter cette folie, en fait. Donc, il va les faire entraîner avec des vrais Marines. Bien avant les vidéos qu'on voit de partout, là, avec Keanu Reeves qui apprend à tirer pour John Wick, eh ben, ils ont tous appris à tirer, notamment avec les armes, qui sont toutes des vraies armes, en fait. Tout ce que vous voyez, c'est modifié, comme le Pulse Rifle, que vous voyez, la grosse mitrailleuse que vous voyez qui désingue pas mal de xénomorphes. Ben, tout ça, c'est quelque chose qui existe et qu'ils ont tous utilisé, en fait, appris à utiliser, et tiré à blanc, donc sur le tournage, bien évidemment. Après, tous les vaisseaux aussi sont des vaisseaux, en fait, militaires qui ont été utilisés. Et preuve du tournage exigeant, en fait, de la part de James Cameron, c'est que encore sur cet Alien, il y avait deux équipes. Il y avait l'équipe de Londres, donc au studio Pinewood, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis qui travaillait avec l'équipe de James Cameron, l'équipe canadienne-américaine. Et puis du coup, en fait, ils en avaient tellement ras-le-bol de James Cameron, qu'ils prenaient le thé régulièrement, en disant « Non, là, on craque, donc on va prendre le thé, et puis on va revenir dans une, deux heures. Et puis quand tu seras calmé, ou pas, nous, au moins, on le sera. Et on continuera le tournage comme ça. » Vous voyez, ça, c'est la démesure aussi de James Cameron. Au final, lui, il passait pas Massacre à la tronçonneuse en boucle, mais il vous envoie dans un camp d'entraînement, en fait, pour que vous gagniez des trapèzes et des abdos. Du coup, James Cameron, lui, en fait, il évince Giger. Il évince Giger, il avait fait, en fait, une lettre, en fait, aux fans, parce que quand les fans ont appris que Giger n'était plus à la conception du xénomorphe, ils ont commencé à faire, même si Internet n'existait pas, des pétitions pour dire « il faut boycotter le film ». Mais pourquoi ? Ben lui, il a fait une lettre, en fait. Et la lettre est véridique, alors je ne vais pas vous la lire, je vais vous en dire les grandes lignes. Ce qu'il a dit, moi je suis désolé, quand je vois cette créature, je vois un immense sexe, ça me met très mal à l'aise. Il fait, je sais comment l'a développé Giger, la métaphore du viol, trop sexualisé, etc. Moi, je ne veux pas me servir de ça. Je veux qu'il ait un aspect différent. On le voit d'ailleurs, il a un dôme qui est beaucoup plus bosselé, il n'a plus trop la forme de pénis, il lui retire pas mal d'aspects biomécaniques, il crée la reine alien. D'ailleurs, la reine alien, c'est la conception de James Cameron, c'est lui qui l'a inventé et qui l'a designé. Et c'est surtout qu'aussi, le costume de Giger, il fonctionnait pas en fait sur les scènes de cascade. Et comme je vous dis, lui, c'est un film de guerre, lui, les aliens, ils bondissent dans tous les sens. Donc en fait, il fallait quelque chose qui puisse être beaucoup plus fonctionnel, donc qui ait moins de capote sur les côtés, qui ait moins de slime, etc. etc. et donc sur lequel vous pouviez accrocher des grappins, et que ça fonctionne beaucoup mieux. Et donc du coup, il va faire appel à Stan Winston, avec qui il a travaillé sur Terminator, Terminator 2, Predator, sur tous les films. De toute façon, Stan Winston était le génie des effets spéciaux pratiques. Jurassic Park, c'est lui aussi. Abyss, je pourrais vous faire une conférence rien que sur Stan Winston, tellement cet homme est un génie. Et au final, vous savez combien pour tout le film ils ont utilisé de costumes de xénomorphes, tellement ils étaient fonctionnels ? 6. Pour tout le film. Et en fait, c'est que le costume est tellement fonctionnel qu'ils ont pu réutiliser des plans partout, alors que sur la planète, en fait, LV-426, qui a été colonisée, il est censé y avoir plus de 200 xénomorphes. Vous voyez là encore aussi le génie fusionné entre James Cameron et Stan Winston. Ces deux-là, c'est pas pour rien qu'ils s'étaient jamais lâchés. Donc du coup, on a vu que là aussi, la production n'était pas top, mais lui par contre, alors James Cameron, c'est, il tient un délai, hein, c'est-à-dire que vous lui donnez le pognon, c'est bon, hein, il tient le délai, il n'y a pas de souci. De toute façon, il met tellement la pression à tout le monde que les gars ils veulent vite se casser du tournage, donc tout va très bien. Et du coup, avec un budget de 18 millions de dollars, ce qui n'est pas beaucoup plus que le premier, au final c'est 7 millions, malgré l'inflation qu'on a connue en quasi 6 ans, il va rapporter au box-office mondial 131 millions de dollars, c'est-à-dire que c'est une des rares suites qui fait mieux que l'original. Mais ça, James Cameron, il est habitué, puisque Terminator 2 est un succès par rapport à Terminator 1. Chaque fois que lui, il fait une suite, ça fonctionne beaucoup mieux. On verra pour Avatar pour le coup. Il va gagner l'Oscar du meilleur son, des effets visuels, Saturn Awards, meilleure actrice pour Sigourney Weaver, meilleur film de science-fiction, meilleur acteur, actrice de second rôle pour Bean, et j'ai sapé son nom, vous ne m'en voudrez pas, il me reviendra tout à l'heure, meilleure réalisation, meilleurs effets spéciaux, etc., etc. C'est parfait, tout est dans la boîte, et James Cameron dit, moi de toute façon, quand je fais un succès, je ne reviendrai jamais. Et du coup, ça bloque Alien 3 pendant 6 ans.
Hop. Alien 3 va arriver en 1992, mais alors lui, je vais essayer de faire très court parce qu'on est à quoi ? Oh, ça va, il me reste encore une petite demi-heure. Et on est à quoi ? C'est plus pour vous au final, peut-être que vous voulez que je m'arrête. Non, ça va. Non, en fait là, vous êtes censé faire un grand. Non, non. Non. Alors, on va la refaire. On va la refaire, ça va être beaucoup plus simple et je vais la jouer sérieux et un peu acteur torturé. Mais vous voulez peut-être que je m'arrête ? Oui. Allez, on y va. Et donc voilà, et donc en fait Alien 3, ben alors lui c'est vraiment l'enfant mal aimé. L'enfant mal aimé, pourquoi ? Parce qu'en fait il y a 6 scénarios qui vont en fait se traîner comme un boulet sur Alien 3, sur la production d'Alien 3. On va tout de suite casser le mythe avec la production chaotique. Il faut savoir qu'Alien 3 était tourné à moitié de film, qu'ils n'avaient pas de scénario en fait. Ils l'écrivaient le jour du tournage. Ils disaient, attends, non, mais là, ça peut correspondre à un des scénarios qu'on a, donc attends, on va faire ça. Et David Fincher, donc le réalisateur qui s'est transformé en John Doe plus tard parce qu'il a renié en fait le film. John Doe, c'est quand vous voulez plus. Vous savez, c'est la personne amnésique. Et Alan Smithy aussi. Et donc le film est signé Alan Smithy. C'est Alan Smithy, c'est quand un réalisateur rejette son film, on l'appelle Alan Smithy, et comme ça, hop, on ne sait plus qui est derrière. Et David Fincher, en fait, à l'époque, il était dans sa période punk grunge. C'était un acteur hyper enthousiaste et qui voulait faire beaucoup, qui voulait montrer ses preuves, notamment au niveau d'Hollywood. Et il s'est fait massacrer par les gros studios. Et donc, du coup, il a quitté le tournage à mi-chemin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, donc, la Fox commande un scénario. Le premier scénario d'Alien 3, c'était un film en deux parties. Les débuts du film en deux parties. On n'a pas attendu Harry Potter au final, ou Twilight, il y avait déjà Alien qui était prévu comme ça. La première partie devait se passer avec les rescapés en fait, donc de Aliens, mais Ripley a disparu. Donc il y a des aliens dans le vaisseau, et donc dans la deuxième partie, ils arrivent sur Terre et la Terre est colonisée par les xénomorphes. Parce que la Weyland-Yutani a voulu créer ces fameux soldats xénomorphes, l'expérience leur a échappé, et du coup, bah, tout est parti en cacahuète, pour rester poli. Après, du coup, ils veulent un autre scénario où les aliens, ce coup-ci, alors c'est une infection, au final, on commence à se reprocher de ce que peut faire aussi Covenant, vous voyez, c'est un virus, en fait, un virus qui est propagé par les plantes, par les animaux, etc. Donc il y aurait des moustiques aliens, des vaches aliens, etc. Et en fait, toute la planète aurait été contaminée et les humains vivraient sous un dôme. Et au bout d'un moment, bah forcément, les xénomorphes veulent encore plus d'hôtes et donc ils attaquent le dôme pour pouvoir avoir un peu plus de cas. Après, il y a un autre scénario. Alors lui, il va peut-être vous dire quelque chose, surtout si vous avez vu Alien 3. Ça se passe en fait dans un ancien monastère, sur une planète isolée, et il y a des moines qui voit un vaisseau s'écraser, et dans ce vaisseau, il y a Ripley, et le fait que Ripley soit la seule femme va créer une tension sexuelle, en fait, dans ce monastère, et il y aurait peut-être un xénomorphe, mais on ne sait pas si Ripley est en train de délirer, ou s'il y a vraiment un xénomorphe. Et des disparitions vont avoir lieu petit à petit, et on se serait aperçu, en fait, que Ripley est dans un délire total, elle se prend pour un xénomorphe, et elle tue tout le monde. Vous voyez, on arrive dans des scénarios qui sont quand même un peu plus tortueux. Au final, il dit non, c'est nul, il n'y a pas d'alien, on va arrêter ça. Et du coup, il y en a un, alors lui, qui écrit un script. Alors ça va vous faire rire, parce qu'en fait, c'est une planète prison, où en fait, il y a plein de prisonniers, il y a Ripley qui arrive, ça crée une tension sexuelle, il y a un alien, mais c'est vraiment un alien, il défonce tout le monde, et la Fox dit non, il est nul ce scénario. Fincher, vas-y, commence à faire ton truc, il y a déjà des décors qui ont été créés et tout. Et puis en fait, en plein milieu de la production, ils disent « On a trouvé un scénario. » Oui, c'est quoi ? Alors, on est sur une planète prison, il y a des prisonniers, il y a Ripley qui s'écrase, il y a une tension sexuelle, il y a un alien, il y a vraiment un alien, il va tuer tous les prisonniers. Le scénario que vous avez rejeté en fait et que vous m'avez demandé de tourner et que je ne sais pas ce que je tourne. Ouais, ok, allez, merci. Et Fincher, il s'est barré. Il s'est barré, il a fait « Moi, vous me prenez la tête. » En plus, derrière, la production avait tellement de retard que Sigourney Weaver, qui est une actrice qui donne beaucoup de sa personne, qui s'était rasé le crâne pour le film,
Il l'appelle pour faire les réchottes, puisque du coup, bah, après, c'était le deuxième, troisième assistant qui, lui, bah, du coup, commençait à prendre la relève. Lui, on fait, hey, Ripley, tu peux te raser la tête, si qu'on est. Bah non, pas du tout, non, j'ai d'autres films, en fait. Ah, bah, on va te poser un faux crâne. Voilà, donc encore des coups en plus, en plus, en plus, en plus. Sachant qu'après, il rencontre plein de problèmes avec le xénomorphe, parce que le xénomorphe, ce coup-ci, alors selon la version, il sort soit d'une vache, soit d'un chien. Donc du coup, bon, hein, celui qui sort du chien, eh ben, ils mettent des prothèses sur un chien pour donner les premiers effets spéciaux. On s'aperçoit que c'est quand même très bête, parce que ben, le chien, il est tout content, le chien. C'est un lévrier, en plus, donc il est tout content, il se balade. Ben, ouais, ça fait un peu, vous savez, xénomorphe, voilà, enfin voilà, quoi. Il dandine et puis il part, quoi. Enfin voilà. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bah écoutez, on va limiter au maximum en fait la présence du xénomorphe, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire apparaître à très peu d'endroits, et du coup, ça fonctionnera comme ça. Catastrophique, tout le monde est parti du tournage, enfin c'est une horreur. Bah, vous voyez par exemple le chien, le vrai chien, le chien. Vous voyez Sigourney Weaver avec ses cheveux qui ont repoussé aussi. Sigourney Weaver qui a par contre été tout le temps à fond derrière David Fincher et toute l'équipe pendant le tournage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a jamais créé un problème alors que c'était elle qui pouvait tout arrêter si elle le désirait. Et là donc vous voyez au final le dernier alien. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, en plus Giger n'est pas derrière cet alien, ce xénomorphe. Ceux qui sont derrière ce xénomorphe, c'est Studio ADI, qui sont maintenant sur Alien Covenant, Prometheus, Alien vs Predator, Requiem, etc. Le vrai alien de Giger, c'est celui que j'ai sur le bras, donc voilà, qui s'appelait le Panther Alien, en fait, qui devait avoir une lame qui lui sortait de la bouche, les lèvres de Michel Pfeiffer, et qui était encore plus pervers dans la sexualité, et du coup, ils ont pas voulu. Il y avait déjà trop de problèmes sur le tournage. Du coup, ben, le film, malgré tout ça, il a connu un certain succès commercial, puisque du coup, il a coûté 50 millions de dollars. Vous les voyez, hein, les dépassements de budget de scénario quand même. Hein, là, c'est quand même beaucoup. C'est 5 fois plus que celui de James Cameron, et on a l'impression qu'il y en a quand même vachement moins à l'écran. C'est un peu dur. Mais il a rapporté 160 millions de dollars, ce qui est pas dégueu. Et ce qui va dire à la Fox, on va faire en fait Alien la Résurrection. Alors, Alien la Résurrection, comme j'aime l'appeler, le rêve américain de Jean-Pierre Jeunet, parce que je sais qu'on est un peu tendu par le temps, donc on va essayer de faire très bref. Je vous parle pas des scénarios qui sont réécrits à tour de bras, etc., avec Josh Whedon, qui est derrière Buffy, les Avengers, les premiers Avengers, qui écrit un scénario qui, pour moi, est vraiment pas top, en fait, qui reparle encore d'une guerre sur la Terre avec les aliens. Enfin, le scénario que tout le monde a écrit, en fait, hein, vous savez, même vous, quand vous avez 10 ans, allez, vas-y, écris la suite, alors il y aura plein de méchants, et puis les gentils seront sur la Terre, et puis voilà, on a tous écrit ce scénario-là, il n'y a pas besoin d'être Josh Whedon. Et c'est que, en fait, Jean-Pierre Jeunet, bah, à Cannes, il y a les grands pontes de la Fox qui vont le voir suite au succès de La Cité des Enfants Perdus. Ils disent, ouais, ça c'est bien, les couleurs et tout, c'est poisseux, c'est bien dégueulasse. Jean-Pierre Jeunet, il dit, ok, je connais absolument rien à Alien, je sais juste que c'est fini, j'ai bien aimé les trois, moi j'ai absolument rien à emmener. Eh ben, je vais y aller, véridique, c'est ses propres mots, je vais y aller pour passer des bonnes vacances, me louer une villa, faire des fêtes dans une piscine et rouler en Cadillac. Vous voyez le rêve américain de Jean-Pierre Jeunet, c'est-à-dire qu'on est en train de donner du pognon à ce gars pour réaliser un film. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même super balèze. C'est super balèze. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Alien la Résurrection, c'est ce que vous voyez à l'écran. Il n'y a rien qui a été coupé, absolument rien. Sigourney Weaver, de toute façon, est devenue coproductrice. La seule truc qu'elle a ajouté, c'est qu'elle, en fait, devient en quelque sorte la mère des aliens, avec son patrimoine génétique qui a été modifié avec le clone de la reine alien qu'elle porte. Mais sinon, tout ce que vous voyez, tout est vrai. Par contre, pour embêter, en restant poli, les gars de la Fox, parce qu'en fait, Jeunet a eu une caméra révolutionnaire, en fait, une des premières caméras révolutionnaires sur le tournage. Dès le premier jour de tournage, il l'a fait tomber, il l'a cassé. Les gars de la Fox, en fait, l'ont fumé, l'ont dit, oh, on va te faire une saisie sur salaire. Lui, il a dit, sort de question où je pars. Les autres ne voulaient pas recommencer encore l'histoire des réalisateurs qui partent. Et au bout d'un moment, vous verrez dans quelques scènes, mettez des arrêts sur l'image, il a dessiné des bites et des fucks sur les murs. Voilà. C'est Jean-Pierre Jeunet. Il avait décidé de le faire comme ça, il l'a fait comme ça. Jean-Pierre Jeunet est très fier de son film. Moi, un peu moins en tant que fan, j'avouerais, parce que c'est quand même trop connoté. Il a trop imposé sa patte sur un univers qui s'y prêtait pas forcément, malgré quelques bonnes idées. J'adore le Newborn, malgré le fait que beaucoup le détestent par rapport à son côté squelettique, son vagin, ses seins, etc. On revenait quand même à une vision gigueresque qui me déplaisait pas.
Donc, budget de 75 millions de dollars, c'est le plus cher, c'est celui qui rapporte quasi le moins par rapport à son budget, 161 millions de dollars. Par contre, c'est le film qui a le plus rapporté en France, c'est celui qui a fait le plus d'entrées. Alors, est-ce que c'est notre côté franco-français? Est-ce qu'on l'a aimé? Ou est-ce qu'il est sorti à une époque où on aimait tous le cinéma, au final 97? Voilà, ça a pu aider. Après, donc, du coup... Bon, ça va. Et moi aussi, je vais faire mon James Cameron. Et du coup, après, ben, qu'est-ce qui prend la relève? C'est les comics, c'est les jeux vidéo. Et puis, il y a surtout une scène dans un film qui a titillé la Fox. C'est Predator 2. Au bout d'un moment, il rentre dans son vaisseau, il y a son mur de chasse, et qu'est-ce qu'on voit? Le crâne d'un xénomorphe, d'un alien. Là, moi je suis pompe de la Fox, je dis, les gars, j'ai une idée révolutionnaire. C'est quoi, Billy? Dis-moi tout, tell me more. Parce que je suis bilingue anglais. Et du coup, je crois que j'ai une idée. Alien versus Predator. Wow, mec, t'es un génie. T'es un génie, allez c'est bon, on balance ça, trouve-moi un réalisateur de génie, mais qu'on peut en faire ce qu'on veut. Huip, huip, huip. Paul W.S. Anderson, le Uwe Boll américain, c'est-à-dire le gars, vous lui donnez 100 millions de dollars, il va vous montrer qu'il y a 2 millions de dollars à l'écran, quoi. C'est Resident Evil. 1, 2, 3, 4, 6, 7... Monster Hunter, quoi, en fait non, c'est un petit tachon en fait, hein, malheureusement, c'est le tachon, c'est le Yes Man de l'époque, mais c'est comme ça, il a eu le truc. Donc du coup, en 89, donc Dark Horse Comics, 90, donc voilà, le crâne dans Predator 2, et du coup, en 2004, budget de 60 millions de dollars, le film totalise 173 millions de dollars malgré toutes les critiques. Malgré toutes les critiques, l'affrontement entre l'Alien et le Predator, bah visiblement on l'attendait tous. Je vais aller le voir au cinéma. Et du coup, bah ça a fonctionné, malgré tous les travers. Les Predators adorent la chaleur, bah là ils sont en Antarctique. Okay. Tout le monde est censé connaître, les xénomorphes sont un rituel en fait, de passage à l'âge adulte chez les Predators. Mais pendant tout le film, ils prouvent qu'ils ne les connaissent pas et ils sont tous désingués dès les 10 premières lignes du film. Bref, pour les fans, c'est à jeter, mais pour le public, c'est génial. Et du coup, comme c'est génial, ben juste le temps de la production, 3 ans plus tard, sort Aliens versus Predator Requiem. Et alors lui, on a enfin, ça y est, les xénomorphes qui arrivent sur Terre. On a même le Predalien, qui est la fusion en fait, entre le xénomorphe et le Predator, donc ça fait un truc absolument gigantesque. La seule chose que j'aime dans ce film, c'est le Predator Wolf, qui lui est un vrai chasseur et qui désingue du xénomorphe à tout va. Mais le film est une immense série Z avec des acteurs de séries télé, de Newport Beach, je crois que c'est ça, je me souviens plus du truc, et en plus j'ai pas noté la référence, mais Newport Beach, ça vous dit quelque chose? Ça dit quelque chose à quelqu'un? Ok. Et du coup, pour un budget de 40 millions de dollars, eh ben, il en rapporte 129 millions, ce film. Mine de rien, c'est pas dégueu du tout. Et là, du coup, les gars, ils disent, on va faire Alien versus Predator 3. Et là, il y en a une, qui c'est déjà, j'avais dit, qui était coprotectrice et qui avait des droits sur Alien. Sigourney Weaver, ouais, c'est ça. Et donc, elle dit, on arrête, c'est plus possible, là. Vous arrêtez vos conneries. Je sais pas si elle l'a dit comme ça, mais en fait, moi, dans ma tête, elle l'a dit comme ça. Et en fait, on arrive à Alien 5, le fameux Alien 5, en fait. Elle veut le lancer. Donc, il y a un gars, Blomkamp, qui lui en fait a eu un énorme succès avec un film qui s'appelle District 9. Est-ce que vous l'avez vu? Chappie aussi, Elysium, voilà. Bon, autant District 9 ça va, autant le reste après ça commence à descendre un peu. Mais visuellement et au niveau du scénario, Sigourney Weaver, elle adore ce gars. Et du coup, elle lui confie les rênes, elle lui dit « vas-y, commence à développer ». Alors il commence à développer tout un univers, voilà, vous voyez, avec un nouveau facehugger, avec un nouvel ovomorphe, une armure xénomorphe aussi pour elle, le retour de X qui s'était fait brûler le visage donc, et qui reviendrait et qui au final serait pas mort, et donc on oublie Alien 3 et c'est la suite directe d'Aliens, une nouvelle reine alien et on est sur Terre, et en fait bon, bah, on a tous les éléments qui sont censés être un gros truc de fan. Eh, mais il y en a un autre aussi qui a des droits sur Alien, c'est Ridley Scott. Et il dit, attendez, Alien 5, là, je fais des billes là, ces derniers temps au cinéma, j'ai un scénario, ça s'appelle Prometheus.
Alors, vous allez mettre en stand-by Alien 5, puisque de toute façon, Prometheus va fonctionner, c'est sûr et certain, puisque je suis Ridley Scott. En 2012, il sort Prometheus, avec ce qu'on connaît, malheureusement une trop grosse relecture des origines d'Alien. Au final, on ne sait plus sur quel pied danser, est-ce qu'on parle vraiment d'Alien, est-ce que c'est un univers parallèle, est-ce que c'est sur une autre planète, enfin bref, on n'en sait plus rien, même lui on ne sait plus rien d'ailleurs. De toute façon, Ridley Scott part dans un délire métaphysique qu'on comprend même plus. Mais pour un budget de 130 millions de dollars, il empoche 404 millions de dollars. C'est pas dégueu, hein, les gars. Du coup, Alien 5, je peux le lancer ? Ah ben non, j'ai quadruplé mon budget, je vais faire la suite, tu vois bien que les gens ont aimé. En fait, on va arrêter Alien 5, on le met de côté, c'est terminé. Oui, arrêtez-le, parce que moi, je développe une trilogie au final. Et du coup, on arrive à Alien Covenant, en 2017, où on voit deux androïdes jouer à la flûte ensemble. J'essaye d'enlever l'image de ma tête de nouveau. Et s'il vous plaît, mesdames, messieurs, et un chestburster qui fait Pinocchio en sortant du ventre du gars. Du coup, Covenant, malheureusement, on le voyait tous arriver, on savait que ça allait mal se passer, et au final, bah, budget de 97 millions, on a 240 millions de budget, c'était sans compter sur le budget com, qui a fait que Covenant, en fait, a coûté 300 réels millions de dollars pour 240 millions. Ça a été terminé. Terminé. Et le dernier truc dans lequel on va parler, c'est... Il y a quelqu'un qui achète tout le monde en ce moment, c'est qui ? Ah oui ! Je m'en souviens, oui. C'est Disney ! Ça y est ! Quand ils arrivent plus à avoir d'idées, ben en fait, on va t'acheter, puis ça va, en fait, ça nous coûte moins cher. On va faire ça avec Marvel, on va faire ça avec Lucas. Et donc voilà, ils rachètent la Fox pour 71,3 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'ils ont les Simpsons, ils ont Predator, ils ont Alien, et du coup, la reine Alien devient une princesse Disney officiellement. Et du coup, eh ben Disney, dans sa dernière conférence, eux ont dit, et alors par contre, il y a quelque chose qui va vous faire peur par la suite, c'est on va développer un univers série télé pour Alien. Classe. Moi, franchement, quand j'ai vu les premières images du Mandalorian pour Star Wars, j'ai dit classe, ça n'a pas l'air de ressembler au dernier Jedi, donc c'est forcément classe. Donc ça m'a plu. Je me dis, Disney arrive à balancer de l'argent quand elle veut quelque chose. J'ai juste peur de son fameux Peggy, voilà, l'âge à laquelle vous voulez voir les choses. Mais au final, la série télé a l'air de fonctionner. Et là, il y a quelqu'un qui revient sur le devant de la scène et qui dit hey, j'ai une trilogie à finir. Ça va s'appeler Alien Paradise. Et ça y est, on arrive sur la planète natale des aliens. Et ça y est, j'ai fini le scénario et je viens de le donner à Disney. Et visiblement, il serait d'accord pour réaliser le troisième et dernier opus de la saga Prometheus, Covenant et donc Paradise, avec tous les risques que ça peut comporter, et notamment pour tous les fans d'Alien, de tuer définitivement la franchise, comme a pu l'être Predator avec The Predators. Sur ce, mesdames, messieurs, je vais peut-être prendre une ou deux questions, et puis on aura terminé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Altaïr, dis-moi tout. Dans Predator 2, à la fin, il y a le crâne du tout. Ouais. Alors en fait, c'est comme Dark Horse avait sorti quelques mois avant Alien vs Predator. Ils se sont dit que ce serait quand même bien de voir comment le public peut réagir à ça. Ouais. Moi, je peux t'assurer que quand je l'avais vu en cassette vidéo, alors cassette vidéo pour les plus jeunes, hein, c'est un énorme, c'est un énorme objet qui avait une bande. Parce que des fois, quand je fais des conférences dans les salons geeks, et que je dis une VHS, une quoi, ouais, c'est bon, allez, je vais aller mourir, je vais me suicider derrière, et puis voilà. Je peux t'assurer que moi j'ai bondi au plafond. C'était l'alliance des deux plus grosses licences de l'époque. Et c'était vraiment ce qu'on voulait voir, la créature ultime avec le chasseur ultime en fait. Donc c'est vraiment volontaire, ouais. Clin d'œil volontaire. Et on va arrêter. Voilà, c'était...
C'était un plaisir en tout cas d'être là pour vous. Et puis sachez que donc je serai sur la grande scène à 15h45 pour un dérivé du Burger Quiz qui va tester toutes vos connaissances geek dans la joie et la bonne humeur. Comme vous avez pu le voir, j'essaie de pas trop être relou. Et demain, il y aura une conférence donc sur les Power Rangers et leurs ancêtres japonais. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à revenir. Merci beaucoup. Merci.